In the 21st century, nations have collapsed. From the ruins of war arise a society fueled by greed. Profiteering mega corporations provide protection and jobs to anyone who abides by their policies. The alternative, a criminal path. Street gangs engage in a constant power struggle against rival gangs and authorities. But there are some that have no interest in gang affiliations nor company citizenship. They only pledge allegiance to the highest bidder. Their title, Bounty Hunter. Their only objective, hunt down. Bonjour à tous, c'est Lordobat et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui on va jouer à Huntdown, on va jouer le rôle d'un chasseur de primes. On va aller combattre le crime, hein. Donc vous voyez, comme disait le menu, enfin le titre au début, voilà, un chasseur de primes, il y a des grandes corporations, il y a du banditisme et nous on est un chasseur de primes. On n'oublie qu'une chose, c'est-à-dire le plus offrant, l'argent, voilà, voilà. Donc c'est du classique en fait. Allez, on va jouer au mode histoire. Mode histoire, c'est parti. On va prendre cet emplacement, je joue un petit peu, on va jouer en normal, parce que soit dit, le jeu est un petit peu difficile quand même. On va jouer en normal, et on va choisir Anaconda, on va choisir la dame, allez. Avec son bandeau. Voilà. Humaine, 32 ans, terrienne. Allez, c'est parti. Voilà, elle était née prête. Alors, au début on a un petit menu. C'est parti de l'histoire qui va nous dire un petit peu, nous raconter un peu tout ça. Voilà, on travaille pour Shimamoto Corporation, en fait. Alors. Anaconda. Wolf Mother. Welcome back. Il va disparaître. It has been a long time since the company acquired your services. Ah, c'est pas au moment que l'entreprise n'a pas fait appel à tes services. Alors encore une fois, tu as été personnellement choisi pour ce boulot. Nous imaginons que tu vas accepter. Voilà, bah, j'ai rien de mieux à faire, normal, hein. Trouverait pas de jeu. Voilà. La chasse a commencé. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? La première affaire est urgente. Lors de la dernière émeute, un gang connu sous le nom des Poupées de Galapia s'est curieusement montré plus malin que les forces de l'ordre et a réussi à prendre le contrôle. Curieux. D'un exosquelette mécanique anti-aérien, ça m'a l'air d'être un job d'intérieur. Apparemment, il se fait appeler Troy Lawman, d'accord. De plus, la zone où tu seras envoyé a quelques petites primes qui sont ouvertes à ta discrétion. Je vais te transférer celle qui se trouve dans ton entourage proche. Très bien. Alors. Donc, en gros, voilà, ce sont tous les niveaux à franchir avec chaque boss de fin de niveau, ça. Alors, les poupées de Galapia sont irréguins et nombreux. Bon, donc, ils sont méchants, nombreux. Fais une descente, rétablir l'ordre. Chasse ce Troy Lawman. Et en mère fière. Ils sortent de rencontrer je ne sais quoi. Ok. Alors, première mission, voilà, Sweet Angel. Hein, voilà, le premier niveau, donc, c'est Sweet Angel. Alors, Sweet Angel, regardez les infos là-dessus. Sur lui. Donc, lieu émeute, crime, agression, vandalisme, trafic de drogue. Ok, du classique. Gueule d'ange connaît la douleur parce qu'il l'inflige. Armé de chaînes et de couteaux, ce sournois criminel n'a que... ne va pas protéger l'amour à approcher avec prudence. Ok, normal. C'est parti, chargement, donc petit temps de chargement, ça va. Niveau chargement, c'est court, là, je réapparais. J'ai dit que je apparaissais, ok, c'est parti. Donc voici donc Anaconda, donc... alors Anaconda, qu'est-ce qu'elle peut faire Anaconda? Elle peut sauter, elle peut se baisser, elle peut faire des glissades, voilà. En fait, si on court et qu'on se baisse, on peut faire une petite glissade. On peut sauter et faire une petite glissade, je crois. Je suis pas sûr. Ouais. Je sais plus. Non, on peut pas. Elle peut tirer, évidemment. Et vous avez une arme secondaire. Donc, chaque héros, chaque chasseur de primes a une arme secondaire particulière. Elle, c'est une hache. Vous voyez, en haut, en fait, quand je la lance, elle se recharge. Voilà. Elle se vide et elle se recharge tout doucement. Donc, de base, on a un pistolet. On pourra trouver notre arme au fur et à mesure. Alors, c'est parti. Donc là, au début, vous voyez... on est dans un monde, voilà, post-apocalyptique... Voilà, donc les flics, rien à mettre.
Donc le jeu est vraiment très très beau par contre. Il est vraiment très beau, les animations sont super jolies. C'est fluide, c'est bien fait. Alors on peut se cacher dans le jeu aussi, vous voyez, on peut se cacher dans des recoins comme ça. Allez, on va rentrer là-dedans. Voilà. Alors, les armes secondaires sont plus radicales en général que l'arme principale. Elles se rechargent, mais elles font plus mal. Vous voyez, paf, là je l'ai du premier coup avec mon arme secondaire. Donc ça c'est pas mal. Alors on trouve voilà ce genre d'armes en fait. Okay, c'est un petit chouïa le son. Voilà. On trouve des armes. On en trouve évidemment les fameux tonneaux explosifs. Là on est dans le tutoriel. Alors on a des valises à trouver, voyez. J'en ai trouvé une sur trois dans le niveau. Chaque niveau en fait comporte un petit challenge. Voilà, un petit checkpoint. Si je meurs, je rapatrie ici. Voilà, elle je l'ai eu. Donc les ennemis peuvent lâcher leur arme. Alors, voilà, attendez. Voilà. Avec B, je peux en fait, voilà. Maintenant que j'ai récupéré une autre arme, avec B en fait, je peux changer, récupérer mon arme de base ou récupérer l'arme que j'ai trouvée. Donc là, c'est un fusil à pompe. Hein. Ou là, la mitraillette. Là, des soins, on en a pas besoin. Ok. Alors c'est un jeu qu'il faut appréhender avec une certaine prudence. Hein, là. On peut pas foncer comme ça. Comme des malades, parce qu'en fait, on se fait vite stopper. Hein. Alors, bon, lui, il réagit pas encore. Vous voyez, là, je me cache, j'évite les tirs. Hop, elle, c'est bon, je l'ai eu. Là, je retrouve les munitions. Bon, voilà. Alors là, ceux-là, bon, ils sont pas très difficiles à combattre, vous voyez. Ils sont dans leur camion. Dès qu'ils tirent, on se met un peu à l'abri. Là, vous voyez, j'étais imprudent. Voilà. Ouais, on va aller finir avec la hache. Et voilà. Ok, ceux-là on les a eu. On a pris un point de dégâts. Oui, j'ai 5 points de vie. Si je suis en difficile, je crois que j'en ai que 3. Alors regardez, il y a une valise de cachet. Voilà. Et de 2. Voilà. Bon, c'est un peu les trucs à l'ancienne. Un petit checkpoint. Là, je récupère des munitions. Pas de soucis. Oups, attendez, là, explosion. Non, c'est bon. Alors. On va récupérer cette arme, cette grosse arme là. Ça, là. On a 38 munitions, mais elle fait très mal. Toujours ma hache. Voilà. Voilà. Elle, je l'ai eu. Elle, je l'ai eu aussi. Impeccable. Alors, j'ai quoi? Un fusil à pompe? Bon, je vais garder ça. Voilà. Je me demande si elle est secrète. Ah, la valise est là, vous voyez. Ah, mince. Là, j'ai bien morflé. Je me suis fait. Voilà. Je vais sauter moi-même là, le caisson, c'est pas grave. Hop, on a des soins ici. Stash collected. Bon, là j'ai trouvé la troisième valise qui est là, donc impeccable. Je récupère toutes les valises du niveau. Ça c'est fait. Allez, on va là. Alors, petite cinématique. Dans le bar, ça rigole pas là. Et donc voilà, on a trouvé le boss du premier niveau. Sweet Angel, ok. Voilà, qui nous dit que quelqu'un recule facilement, les poulets volent bien. Voilà, alors, il m'a redonné plein de vie. Hein. Je suis au boss. Ah bon, Sweet Angel, c'est pas le plus difficile à tuer. Vous voyez. C'est pas le plus compliqué. Ah, vous voyez, sa vie est en haut, hein. Alors là, hop. Le jeu m'a arnaqué. Vous voyez, il y a un méchant qui est arrivé. Alors, hop là. Alors, on a des armes blanches aussi. Bon, là, j'ai trouvé un peu de soin. Voilà, on va récupérer ça. Se méfier.
Voilà. Vous voyez que ça, on a un chouïa mobile. Voilà, c'est bon. Allez, il ne reste plus qu'un petit point de vie. Est-ce que je peux le finir avec la batte de baseball? J'ai vu que j'avais la batte de baseball ici. Voyons voir. Est-ce que monsieur... Voilà. Et ben voilà. Bounty collected. Vous voyez, si on fait pas attention, ça se passe bien. Enfin, voilà, c'était le plus facile. Alors, vous voyez, on a la petite statistique à la fin, donc voilà. J'en ai tué 30, j'ai collectionné 3 valises, et je ne suis pas mort une seule fois du niveau, donc du coup, j'ai une médaille survivant. Alors, évidemment, je suppose qu'il y aura des succès, genre ne pas mourir à tous les niveaux, et c'est plus compliqué. Allez, on va se faire ce deuxième boss, comment il s'appelle? Silent Storm. Et donc, lieu, les ruelles, crime, assassinat, agression et voie de fait, refus d'obtempérer. Ça se m'étonne pas. Alors, ne vous laissez pas avoir par cette belle gueule de Cid Bogos, ce féroce castagneur au point d'acier est toujours prêt à joliment mettre des branlés. Ah, ok. Alors, ok. Engage. Pas de secret derrière. Non. Alors, ici, voilà, d'entrée de jeu, on trouve des grenades. Vous voyez, alors attendez, est-ce que je peux utiliser ma grenade? Oui, je peux utiliser ma grenade. Il m'avait rien dit, il dormait, bah tant pis pour lui. Donc en fait, on peut avoir d'autres armes secondaires, vous voyez, que ma hache. Hein. Alors. Hop. Ah, ok. Ouah, purée. Oh, on se calme. Voilà. Ah, j'ai perdu un point de vie. Ok, c'est bon. La grenade a fait le job. Ok. Voilà. Bon, ça se passe pas trop mal. Ok. Point de contrôle. Bah, parfait. Alors. Ah yeah, ça c'était très dangereux ce que j'ai fait. Alors, le monsieur qu'on voit ici, là, il a une valise. Alors lui, il vous oblige à prendre des risques un peu, parce que voilà. En fait, cette valise... Hop là. Il faut récupérer la valise avant qu'il s'en aille, en fait, qu'il se sauve. Il peut se sauver, donc une fois qu'il s'est sauvé, et ben du coup, la valise est perdue. Hein, donc lui, il vous oblige vraiment à prendre des risques, et du coup, je suppose que, bon, là, faudra apprendre dans le futur à vraiment connaître tous les patterns de tout son environnement pour pouvoir, en fait, survivre, tuer tout le monde, connaître un peu ceux à éviter. Et du coup, j'en ai pris une aussi. Ah, je suis presque mort, là. Voilà. Ah. Voilà. Ok. Très bien, je récupère un peu de soin. Ok, impeccable. Gentil. Je ne traduirai pas ce qu'elle a dit. Non, je ne le traduirai pas. Voilà, bon, allez, revendre le fusil à pompe. Le fusil à pompe, il a une portée évidemment courte, mais il fait très mal. Hein. Point de contrôle, très bien. Voilà. Donc là, vous avez vu, il y a un... Hop. Sweet dreams. Ok, donc là, on trouve une deuxième valise, très bien. Allez, on va prendre la mitraillette. Voilà. Ah, tiens, l'arme de Gordon Freeman. Voilà, le pied de biche. Pour ceux qui, hein, qui se rappelleraient de la référence. Ok, très bien. Voilà. Alors. Voilà. Bon, j'ai tiré dans le tonneau, j'ai fait sauter tout le monde. Impeccable.
Ouais, par contre, voilà. Alors là, j'ai deux soins quand même, hein. Donc on pourra faire demi-tour en cas de complication. Ok, là on est passé. C'est bien. Bon, ben, je crois que... Ah, il y a une valise en vrai. Par contre, on peut y aller là. Ah ben attendez. Voilà. Ok. Pour l'instant, ça se passe bien. Alors, on a trouvé une guitare. Hein. Là. Voilà. Ouais, d'accord, le piège. Bon. Les armes de corps à corps ont l'air de taper en une fois. Enfin, de taper. Elles ont l'air de tuer en une fois. Voilà. Alors, est-ce que je la garde? Ouais, on va reprendre la mitraillette quand même parce que. C'est rigolo les armes de corps à corps, mais... Attendez, il y avait une valise, hein, je crois. Ah, elle est là, là, regardez. Hop là. Stash collected. Ok. Très bien. Alors. Ah, on peut faire un dash, tenez. Ouais, ouais c'est ça, en fait, voilà. Si je saute, je peux faire un dash, vous voyez, je découvre le dash. Et alors, nous voici déjà au boss de donc Silent Storm. Hein. Ok. Alors, attendez, j'ai quoi? J'ai mon arme de base là. Hein. Alors, lui, il commence par ses points d'entrée de jeu. Je prends lui comme un bruit. Ok. Ok. Alors lui, il est presque mort. Du coup, il nous va nous faire son petit show là. Ah, et là, il se régénère en fait. Allez, on va prendre le. Ah. Alors. Ok. Très bien. Alors ces haltères, il a tendance à nous les... Ah zut. Aïe. Il m'est tombé dessus. Ah purée. Il a de la longe avec son... Ah, là un méchant. Ah mince, je tombe en plein. Ah mais purée, décidément. Ça veut que j'ai trouvé du soin. Touche. Voilà, je l'ai eu. Bon. Ça me demandait un petit peu de dextérité, mais c'est bon, c'est passé. Ok. Donc j'en ai tué 50, ok, et je suis... Donc j'ai réussi, je suis pas mort. Formidable. Allez, on va se faire un petit... on va essayer de se faire un troisième... Alors c'est qui le Bad Boy Bob? Alors qu'est-ce qu'il dit Bad Boy Bob? Le ring. Crime, meurtre, agression et voix de fée. Voix de fée. Bob gagne la réputation chez les poupées de Galapia. Au combat de fosse, ses rumeurs disent que le boss n'a jamais perdu un combat à la loyale. Parce qu'aucun combat n'est équitable avec Bob. Ok, c'était parti. Bon, très bien. Alors, me voici dans ce nouveau quartier. J'entends des toutous. Ah, mais ils sont plutôt nerveux, les toutous, là. Vilain. Bon, je crois que le jeu nous a appris qu'il y avait des toutous et qu'il fallait faire gaffe. Alors. Oh, purée, ouais, d'accord, mais c'est pas la même, là. Alors là, on a accès. Ouais, d'accord. Attendez. Secret found. Ah, secret. Alors, qu'est-ce que je trouve? Des grenades. Alors, on a
Oh purée, ouais cette référence. Alors là, merci mec. Technique du serpent. Mais c'est Snake. Ah, comment il s'appelait? C'était dans ce film, New York 1997, un truc comme ça. Il y en a eu deux en fait, film avec lui. Ah, excellent la référence. Donc il nous a filé son arme, hein. Formidable. Comme quoi il y a des secrets. Je l'avais pas trouvé celui-là. Ah, en gros, d'accord. Bon, ok. Bon, alors là par contre ça a l'air d'un petit peu chaud là, parce qu'il balance des cocktails Molotov, les méchants. Ouh. Ok. Ah, attendez. Tac, 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 tac. Alors, qu'est-ce que ça dit cette arme? Ah, ça va être gentil, gentil. C'est pas l'arme qui fera le plus mal, ça, j'ai l'impression. Voilà, là j'ai un pompe, j'ai deux pompes. Ah, bonjour. Ah, lui, il est plus costaud, lui. Ouais, bon, on va prendre le fusil à pompe, parce que l'arme de Snake, elle est bien gentille, mais... Alors... Voilà... Ah, je l'avais pas vu, elle. Ok, je l'ai eu. Ah d'accord, on peut les taper quand même. Voilà. Alors, j'ai encore du pompe. Ah purée. Comment je peux me débarrasser de ce chien? Ah d'accord. Voilà, ok. Alors, 3 points de vie. Hop, 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 hop. Je me demande si je peux me faire toucher avec les flammes en étant à l'extérieur, à l'intérieur, caché. Normalement non, mais... Ok, c'est passé. Ah, ça se complexifie un petit peu, là. Avec ce genre d'armes. Checkpoint. D'accord, là il y a un tonneau noir. Ça pète ça un peu, ouais, ça pète normalement. Alors là j'ai un point de... Là il y a une valise là. Très bien. Ah, il y a quoi là? Il y a les motards, il y a les motards. Ok, ah, c'est bon, je l'ai. On va rester dans le... Ok. Non, tu veux pas te montrer, toi? Ah, purée, elle est comme, elle avait une armure, en fait. Ok. D'accord. Ok, donc je peux les sortir de leur cachette quand je suis... Alors... Checkpoint, checkpoint, grenade... D'accord. Vous voyez, lui, il a la grenade, là. Enfin, il a la valise, du moins. Ah, évidemment. Voilà, je l'ai eu. Et bon. J'ai survécu, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai survécu. La retraite s'impose. Voilà. Bon, mais j'ai 3 points de vie. Bon, j'ai bien morflé, là. C'est un petit peu anarchique, mais je l'ai eu. Alors, on a un toutou, là, là. Alors, si je fais ça, faites voir si c'est bon. Ok, je peux exploser tout le bon moment. Ah bah attendez. Ah, j'ai une balise, une super balise en fait. D'accord. Alors, 3 points de vie. Ok. Voilà, je l'ai eu, c'est bon. Je vais me garder la balise au cas où. Ah bah attendez, je pense que j'arrive au bout, hein, je suis pas sûr, remarque. Alors, 70 cartouches, allez, on va garder. D'accord.
Nous voici donc en face du troisième boss. Bad Boy Bob. Je suis dans la merde, c'est possible. Alors. Calme, hein. Ok, mec. D'accord. Alors là, c'est un combat de ring. Si j'ose dire. Bon, ça va. Si c'est que ça, ça ira, mais bon. Il y aura forcément une arnaque. Ok, bon, j'ai enlevé quasiment la moitié de ses points de vie. Ah, il m'a touché. D'accord. Ah purée, d'accord, ok. Là ça y est, il a changé de pattern. Ok, on se méfie parce que... Ah purée, j'ai râlé l'autre. Aïe 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 aïe. Non, c'est qui fait sa super attaque là. Allez, il est presque mort. Voilà, c'est bon. Ouh, je l'ai eu. Bounty. Ah, il était plus compliqué celui-là. Hein. On n'est pas beaucoup de place pour le combattre, mais je l'ai eu quand même. Ah, il manque une valise, tiens. Bon, c'est pas grave. Ok. Bon, alors, écoutez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. C'est bien sympa. Enfin, on continuera à voir un peu ce que ça peut donner. Ah, bah, je suis peut-être arrivé à la fin, là. Faites voir. Ah non, il reste après, là. Ok. Le psychonaute. Eh bien, écoutez. On combattra le psychonaute dans une autre vidéo. Donc voilà, c'était donc l'heure de battre pour cette vidéo de Huntdown, un jeu là qui est bien sympa, enfin un petit jeu 2D qui n'est pas si petit que ça. Vraiment très très bien fait, les animations sont vraiment sympas. Et le jeu bouge bien, c'est nerveux, c'est un peu difficile. Bon, voilà, j'ai fait le début, ça va, ça se fait, mais il faut faire attention quand même. Voilà, donc j'imagine qu'en difficile, ça doit être quand même quelque chose. Voilà, bah écoutez. J'espère en tous les cas que cette vidéo vous aura plu, et c'était donc l'heure de battre, et comme d'habitude, je vous dis à bientôt, et portez-vous bien.